Togo ou dans le monde, qui se soucie de Daniel, Sylvain ou Pascal? Qui? Je pourrais arrêter ma plaidoirie ici. On n'a pas su ou pas voulu entendre le signal d'alarme de cet enfant. Pourtant, la loi est censée le protéger. Elle existe, elle devrait s'appliquer. Je suis certain que vous allez consacrer votre vie, votre énergie à bâtir une société plus juste et plus fraternelle. Aimé Césaire a promis d'être la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Avocats, élèves avocats, les malheurs de Marianne Georges ont une bouche. Et de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons des oreilles pour les entendre et le courage pour agir. L'excision est une violation caractérisée des droits humains. Dès lors, cela nous concerne tous. Indignez-vous, titrait Stéphane Hessel. Non, révoltons-nous, pas par les armes. Révoltons-nous par la plume, par la parole et par le droit.